Des grands contrôles autoroutiers comme celui-ci sont régulièrement organisés dans notre pays, mais aussi dans les autres pays européens. D'ailleurs, les services de police européens sont regroupés dans une organisation appelée TISPOL, qui a pour but d'échanger de l'information, mais aussi d'établir des programmes de contrôle afin d'améliorer la sécurité sur nos routes. En fait, TISPOL, ça c'est l'organisation policière de toutes les forces de police de circulation partout dans l'Europe. C'est-à-dire, on a les 28 pays qui sont membres chez nous. Et quel est le grand but? C'est contribuer à la diminution de -50% de morts en moins en 2020 en Europe. Ça, c'est notre grand but. Et d'autre part, on aimerait bien aussi que pour les criminels, c'est plus possible d'utiliser les routes. Ici, on contrôle et sur l'alcool, vitesse, ceinture, GSM, donc les classiques, mais aussi les poids lourds. En multi-agency control, c'est-à-dire en contrôle mix avec les autres organes de contrôle, c'est-à-dire par exemple les douanes, le SPF mobilité. Mais ce qu'on fait aussi ici aujourd'hui, c'est l'éducation. On a par exemple l'Institut belge sécurité routière ici avec le réseau de volontaires. Et on a aussi notre voiture qui peut simuler le fait de ne pas porter la ceinture. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup plus de collègues étrangers que d'habitude. Pour quelles raisons? Oui, ça c'est vrai. Ici, on est à la frontière Belgique-France et on a des collègues des Pays-Bas, mais aussi des collègues de France qui contrôlent ensemble avec nous. En plus, on a tous les collègues TISPOL sont là. Par exemple, il y a 33 collègues qui viennent de 28 pays différents pour voir ce qu'on fait du bon en Belgique en matière de contrôle. Par exemple, il y a le scanner qui peut regarder dans les camions même s'il n'y a pas de la drogue, s'il n'y a pas des illégaux dedans. De boete voor dergelijke overtreding bedraagt 2400 euro. Ja. Die moet betaald worden voordat u mag vertrekken. Ja. We gaan ook, uw vrachtwagen moet ondergebracht worden naar een erkend garage. In dit geval een Scania, dus het zal een Scania zijn. En daar moet hij hersteld worden. Alors, ce genre d'opération permet, outre les échanges entre les différents partenaires qui sont, j'allais dire, territorialement compétents, que sont nos camarades belges, les CRS de la police nationale et de la gendarmerie, de faire profiter l'ensemble des officiers qui viennent de l'ensemble de l'Union européenne, des savoir-faire des uns et des autres. Ces grands contrôles, vous ne les remarquez pas nécessairement, car ils ont lieu sur des parkings le long des autoroutes. Mais ils ont pourtant bel et bien lieu régulièrement et à grande échelle dans toute l'Europe. Ils ont pour but de rappeler à tous les conducteurs, qu'ils soient professionnels ou non, que la sécurité routière est une préoccupation permanente des services de police. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que le passager d'une moto doit avoir un équipement adapté de la tête aux pieds comme le pilote. A gagné cette semaine un bagage d'affaires. La question, un camion est limité à la vitesse de 80, 90 ou 100 km/h. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. Les sens uniques limités sont de plus en plus nombreux dans notre pays. Il s'agit de sens uniques qui peuvent être pris à contresens par des cyclistes et parfois par des cyclomotoristes. Mais attention, un sens unique n'est accessible à contresens aux cyclistes qu'en présence de la signalisation prévue par le code de la route. Il s'agit de différents panneaux additionnels, éventuellement accompagnés de marquages au sol. Si tel n'est pas le cas, les cyclistes ne peuvent les emprunter à contresens. À la semaine prochaine, d'ici là, bonne route.